Yo les gars, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour faire un défi top 1. C'est le défi top 1 de Gaspard qui nous est proposé aujourd'hui. Alors, du coup, il dit tu pourrais essayer de faire top 1 juste en voiture, pas le droit de construire ni de tirer avec une arme. Donc voilà les gars, j'ai pas le droit de tirer avec une arme, j'ai pas le droit de construire, et je dois le faire en voiture, mais du coup je vais essayer de rester la plupart du temps en voiture. Évidemment j'ai le droit à tout ce qui est grenade et tout, sinon c'est vraiment impossible, mais par contre je n'ai pas le droit aux armes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter pour me proposer un nouveau défi top 1 et un autre peut-être en rapport avec la nouvelle saison. Donc voilà. Ah mais non, donc c'est vrai, je vois. J'ai pas le droit. Ah ouais, en fait non, ça va vraiment être très très compliqué. Ouais, là par exemple ça, voilà. Il va falloir aussi que je fasse gaffe parce que, en fait, vu que j'ai pas le droit de construire, faut que je fasse gaffe parce que si à un moment j'ai un réflexe et que ça me sauve de dégâts, bah ça comptera pas vraiment quoi. Donc, en fait, j'avoue que j'avais spawn là pour avoir une voiture, ça c'est fait. Bah, en fait, maintenant il faut que je trouve du soin. J'ai un mec. Du soin et tout, ouais, ça c'est compliqué hein. C'est pas le défi le plus simple, même si en soit sur le papier il paraît simple. C'est clair que je peux aller haut dans les tops, mais faire top 1 ça va être compliqué. Après je peux tuer le dernier avec la voiture hein. ça voilà, mais ça va être compliqué. Alors on va aller là-bas parce qu'en soi il a pas dit qu'on pouvait pas recruter des bots, et je vous avoue qu'avec un bot ça va être un peu beaucoup plus facile. Ah, ben en fait c'est vrai, je suis toujours resté bloqué sur la dernière saison. Il n'y a pas de bottes, donc ça ne m'arrange pas. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Les grenades, le reste je m'en fiche un peu, je vais juste prendre ça. Tac, on va directement enlever les balles comme ça, je tire pas et les construis. Histoire que je ne construise pas si jamais j'ai un moment à réflexe. Donc tout ce qui est bandage et grenades répulsives, ça va être très très intéressant. Tac, parfait, bam, bam, mince. Tac, voilà, hop, hop, merde, mais pourquoi j'ai récupéré les balles? Bon, désolé, hein, c'est mes réflexes. Mais oh non! Bon, vous savez quoi, je pense que j'ai pu le faire. Enlever les construits et tout parce que c'est vraiment, voilà. Tant pis, je prends les balles. Alors, est-ce qu'il y a moyen que je me mette full avec tout ça? Ouais, parfait, il y a moyen que je me mette full. Je serai pile full. Donc ça, c'est fait. Après, maintenant, il va falloir retrouver... Ah bah non, il y a même trop. Maintenant, il faudrait retrouver encore... En fait, là, le truc, les gars, c'est que j'ai des grenades répulsives. Enfin, j'ai des répulsives. J'ai des répulsives, ouais, voilà. Mais en fait, j'avoue que, vu que j'ai pas tellement joué à cette nouvelle saison, voire même presque pas, ben en fait je sais pas tellement. Vous voyez, dernière saison il y avait des grenades collantes et tout, mais je ne sais pas est-ce que cette saison il y en a aussi. Et je vous avoue que si on n'a pas, bah ben, je suis un peu mal parce que du coup ça va être très très compliqué de survivre. C'est parce que si je peux vraiment mettre zéro dégâts aux adversaires sauf avec ma petite voiture, ben ça va pas tellement m'aider. Mais après j'avoue que c'est peut-être pas forcément dans les coffres. Tu vois là par exemple, là j'ai eu une envie, c'est d'aller rush. Mais on va éviter. Alors. Donc voilà les gars, aujourd'hui c'est une vidéo Fortnite. Et non pas l'épisode 3 de ma carrière FIFA. Pour la simple et unique raison que... Bah, je vous avoue, j'avais pas vraiment l'envie de tourner l'épisode 3 tout de suite. Ah, parfait, elles sont là. De tourner l'épisode 3 tout de suite. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Du coup, je me taille. Je me suis loot. En vrai, là, les gars, on a deux grenades. On a des grenades à réplucher. Je veux pas les utiliser. Ah, les gars, je suis trop débile. J'ai pris trop de temps. Allez, vite. Par.
Ah, j'ai peur. Non, bah non. Non. J'aime pas fuir. Non, mais les gars, c'est quoi ce joueur éclaté que je suis? Ouais, sinon, il m'a mis des dégâts. Ce défi risque d'être très... comment dire? Tiens, on va prendre ça. On va couper ça vite. Ok, donc, tac, on va faire... Très vite fait ça. Ok, je ne peux pas quand je suis en voiture, super. Ah, j'avoue, dans le loot. Il y a un mec qui a fait spawn dans le loot. Mais là-dedans, 100%, il y a des grenades. Ah, j'arrive pas à mettre le ping. Oh là là, oh là 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 là. Ok, on va y aller. Non, il y a un mec. Ah ouais, bah non, il y aura des personnes. Eh les gars, vous savez quoi? À la vie, à la mort. Ok, non. Eh hey, mais attendez les gars, j'avoue, l'éclair de Zeus, j'ai le droit ou pas? Parce qu'en soi, j'ai pas le droit de tirer avec une arme. Mais en soi, l'éclair de Zeus, c'est un peu comme les... Comme les grenades, en soi, je tire pas. Non mais c'est trop grave les gars, je croise toute la map, pile la partie où je peux tuer personne. Mais genre, parce qu'en soi, l'éclair de Zeus, c'est pas vraiment une arme où tu vois, je peux pas vraiment tirer avec. Oh, il y a encore un mec qui se ramène. Donc en vrai de vrai, je me dis, ça je peux avoir le droit. Je me laisse le droit parce que ce défi top 1 est quand même vraiment dur. Wesh, mine de rien, on est déjà top 30 hein. Par contre, ça me suit de très très près là, j'aime pas trop. J'aime trop le médaillon, là il me colle un peu. C'est bon. J'avoue les gars, en vrai là on est déjà top 30 hein. Je pense qu'on va faire qu'une seule partie. Comme ça la vidéo sera pas trop longue. Alors. Ok, dites-moi qu'il y a des grenades. Je vous en supplie. Parce qu'en soi, mine de rien, grenades d'onde de choc, j'en ai que 4 quoi. Ça va vite s'user. C'est vrai que ça sert à rien que je prenne du temps à faire ça. Oh parfait. Après c'est vrai que le défi top 1 là-bas c'était en voiture. Mais le truc c'est que j'ai pas pu vraiment me stuff. Mais comme vous voyez à chaque fois hein, je me stuff. Et après quand je dois bouger et tout je prends bien la voiture. J'essaie vraiment d'être dans la voiture le plus possible. Mais voilà, faut quand même que je puisse prendre des matos et tout. Enfin pas des matos du coup, mais bref vous m'avez compris. Donc voilà, là actuellement en vrai je peux résister en plus un peu à la zone si jamais en fin de zone. Je pense que là les gars, à la base le défi top 1 c'est d'être en voiture. Je vais juste me mettre dans la voiture, je vais camper en haut de la montagne. Ça je serai bien tranquille. Et voilà. Et j'embêterai personne, personne m'embêtera. En plus il y a moyen de gratter top 10 hein. En restant dans la voiture comme ça tout en haut de la montagne, il y a moyen de gratter top 10. Par contre j'avoue j'y pensais pas tellement, mais là niveau essence c'est plus trop ça. Tac. Non il y a pas moyen que ça. Oh c'est trompeur. En fait ça tu remarques pas mais... Regarde si tu sors du véhicule. Ah non ok non les phares ils sont tout le temps allumés. Je sais pas. Je me suis dit sinon voilà. Bon. On va rester là. Top 19 déjà c'est pas mal. Allez. Bah à un moment donné il n'y a plus qu'à attendre que ça avance tout seul. Niveau de la zone ça donne quoi? Ça donne ça, ok. Ok, donc le médaillon des enfers il a pas été pris. Celui de Grimgate il a été pris. Celui du Mont Olympe il a été pris. Par contre celui de Brawler Battleground pour le moment il a pas été pris. Du coup pour le moment il y a que 2 médaillons en jeu. Oh ça va c'est tranquille, je vais enlever mon point parce que ça me perturbe. Il va falloir aller en zone. Ouais je vais... Les gars je pense que je vais contourner via la montagne. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est les bunkers. Je pense les gars on va repartir et on va se diriger, on va rester dans la montagne. Parce que je pense honnêtement on est peut-être plus visible parce que c'est quand même une voiture noire sur du, bah, de la neige, du coup c'est visible. Mais en vrai on est moins visible qu'en passant en plein milieu de la map là où il y a tout le monde quoi. On va bien longer la zone. Le but c'est vraiment de voilà.
Par contre, ouais, ça j'y avais pas tellement pensé, mais j'ai plus beaucoup d'essence. Il va peut-être falloir que je fasse un changement de véhicule en fait. Je pense que là-bas il y en a un. Parce que si fin de zone, je sais pas, j'arrive à m'en sortir, ça bouge beaucoup. Là, c'est bien ce que je me disais, j'ai plus de véhicule. Actuellement, je n'ai plus de véhicule. Comment dire? Je pensais qu'il allait y en avoir un ici. Là, j'ai carburant faible, là, très faible, hein. Pas un véhicule là en bas. Les gars, là, il n'y a pas de véhicule, hein. Qu'est-ce que je fais? Je vois pas trop ce que je peux faire. Je vais essayer d'aller en chercher un autre, mais attendez, on va se poser 2 secondes. Est-ce que je peux trouver un véhicule? Bah, en fait, nulle part à part à Reckless. Oh la mission! Oh là 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 là, faut que je retourne à Reckless qui est top 13. J'ai plus du tout de carburant en fait. Ah, bah, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ok, ça passe, ça passe, ça passe. Peut-être assez de carburant pour faire. Allez, on a 400 mètres à faire. Je vais peut-être essayer de faire 100 mètres. 200 mètres. S'il vous plaît, le jeu. S'il vous plaît. S'il vous plaît, le jeu. Allez, 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 allez. Bon, bah là, les gars, comme vous avez pu le voir, il n'y a aucune triche. Hein. La voiture, vraiment, elle est à sec. Oh bah, les gars. C'est quoi ma chance? Tac, c'est parti. On va faire apparaître un véhicule tout de suite. Tout de suite. J'enlève mon ping, allez go. On va faire apparaître un véhicule tout de suite. Alors même si je me fais remarquer, au moins j'ai un véhicule. Ah ok, non, il apparaît comme ça. Ah bah parfait. Il y avait 2 autres véhicules derrière, par contre j'espère qu'il est à 100%. J'espère qu'il est à 100%. Ok, parfait. Voilà, du coup les gars, il n'y a aucune triche. Vraiment, genre j'ai parcouru je pense 100 mètres grand max. 50-100 mètres sans véhicule. On voit, la voiture elle est bien là. Elle était bien à sec, donc je n'ai pas triché. On va essayer de rester le plus. Ok, parfois les gars, on est pile top 10, enfin du coup top 9. Oh, j'ai vite intérêt à retourner là-bas, moi. Avec l'île qui va spawn là sur moi, je suis pas très bien si je reste ici. Donc go, on va remonter tout ça. Vite avant que la zone arrive en plus. Par contre, cette voiture-ci, elle est un peu moins tout terrain. Et du coup, c'est un petit peu plus embêtant. Par contre, elle a un boost. Donc ça, si je veux fuir, c'est plutôt une bonne chose. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ah bah, j'ai même pas vu. En plus, j'ai une quête. Je vais parcourir 500 mètres avec ce véhicule-ci. Donc c'est parfait. Dis-moi que tu montes, dis-moi que tu montes, dis-moi que tu montes, dis-moi que tu montes. Parfait. Let's go, les gars. Ouh, calme-toi. Tac, on va se mettre bien stable. Oh, stylé les corbeaux. Je crois que c'est les corbeaux. Tac, on va s'arrêter tranquillement. Top 8. Je pense que j'avoue que ça paraît quand même bizarre de voir une voiture là. Mais en vrai, il y a même. Non, bon, les gars, les corbeaux, c'est trop bien fait. Alors, je crois que c'est des corbeaux. C'est incroyable. Bon, top 8. Allez, il y a moyen. En vrai, de vrai, si je joue bien, il y a moyen qu'on fasse au moins top 5. Et après, si j'ai vraiment de la chance et que je joue bien mes 4 grenades répulsives et tout. En fait, si je joue très très bien, je peux aller en top 2. Et ensuite, genre, je mets des dégâts avec mes grenades collantes. Et ensuite, je l'envoie dans la zone avec mes grenades répulsives. Et genre, je l'empêche à chaque fois de revenir. Genre, je balance une grenade, puis dès qu'il revient, je rebalance une, puis etc. Jusqu'à ce que j'en ai plus, sachant que j'en ai 4, voilà. Mais comme ça, j'essaye qu'il reste le plus longtemps dans la zone. En plus, je leur ai mis des dégâts avant avec les grenades collantes. Donc, en vrai de vrai, il y a moyen que mon plan fonctionne et que je fasse top 1. Oh, stylé. Maintenant, on aurait dit... Oh, en fait, ouais, c'est un peu les oiseaux du paradis. Je sais pas trop ce que c'est. Mais ils montent vers la lumière. C'est stylé. Mais ouais. Du coup, voilà. Il faut que mon plan fonctionne. Hein. Il faut absolument que mon plan fonctionne. Parce qu'en vrai, les gars, ça va, c'est un truc que j'ai déjà fait. Après, j'avais déjà mis des dégâts à des joueurs avec des armes. Mais j'ai déjà réussi, donc il y a moyen de le faire. Maintenant, à voir comment ça va se dérouler. Alors, déjà, premier mec en faille. Vers où va-t-il se diriger? Pour moi, il n'y a personne, hein, c'est plutôt calme. J'avoue que vers le début de la game, enfin... Ouais, quand même, parce que j'avoue que la game s'est vidée assez vite. Mais, enfin, je trouve. Mais j'ai l'impression que vers le début de la game, c'était
J'ai croisé beaucoup de monde, mais là ça va. Là, il n'y a plus trop de personnes. Donc ça devrait aller. Allez, allez. Top 7. Par contre, là, ça se vide plus. Hein. Là, ça ne se vide plus du tout. Top 7. J'ai un peu de ping. Espérons que les pings descendent vite et partent. Ah voilà, parfait. Top, top 7 toujours. En fait, les gars, le problème, c'est que la game, en fait, et ça va être très long parce que mais je peux tuer personne, en fait. Je ne peux tuer personne. Du coup, ça va être long. Ok, donc là, il y a un mec qui a deux médaillons. Je sais pas si vous voyez bien le cercle. Et là, il y a un mec qui a un seul médaillon. Donc voilà, c'est l'autre grand cercle. C'est vraiment pas facile à voir, surtout pour moi. Mais sachant que je suis daltonien, mais en vrai, je pense que les non-daltoniens, vous voyez mieux. Mais j'avoue que un peu du jaune-orange sur du jaune-orange ou quoi, bah c'est plus difficile. Bref, mais ouais, du coup, il y a juste le médaillon des enfers qui a pas été pris. Mais vu que je ne connais pas encore bien les pouvoirs par cœur, je ne peux pas dire celui qu'ils ont est bien. Ok, parfait, on est top 5. Oh non, par contre. Oh, bah du coup, les gars, il y a un mec qui a 3 médaillons. Si je récupère ces médaillons, comment je me mets bien? Donc, il y a un mec qui a 3 médaillons. On est top 5. Et bah, j'ai encore la zone. C'est parfait. C'est parfait, j'ai encore la zone. Là, pour le moment, les gars, je suis Gucci. Ok, il est là. En plus, les gars, je l'avais dit. Hein. J'avais dit, il y a moyen que je fasse top 5. Bah là, pour le moment, c'est ce que je fais. Pour le moment, je suis top 5. Donc, ok, pour moi, c'est vraiment parfait. Par contre, les gars, attendez, près du tremplin, là, oui, il n'y avait pas un truc tout à l'heure, parce que là, il n'y a plus rien, genre. Bon, je vous avoue que le mec là avec le médaillon, il me fait très très peur. Ben, je crois qu'il va se diriger vers la voiture pour voir s'il n'y a pas quelqu'un dedans. Je veux dire, ça paraît logique quand tu vois une voiture comme ça, toute seule, dans la neige. Bah, tu peux te poser des questions. Oh non. Là, je vais me faire remarquer tout de suite. Il faut qu'il parte. Faut qu'il parte le plus vite possible, histoire que je puisse, moi, me diriger vers la zone tranquillement. Ok, donc il décolle. Ah ouais, non, il va se mettre bien dans la hauteur. Mais là, les gars, là, je suis cramé. Ah non, ça va, là, là. C'est tout là-bas. À la zone. Actuellement, les gars, je suis cramé. Okay, il est vers là, il vole. Je ne le vois plus là, on est d'accord. Là, il est plus là, les gars. Je regarde à gauche et tout. Là, il est vers la ville. Ok, ouais. Donc là, il est au-dessus des bâtiments là-bas. Top 5. Je vais bouger, je vais bouger. N'essayez pas à faire tourner le moteur, histoire que ça fasse pas trop de bruit. Juste, on va laisser tomber la voiture. Je suis top 5, donc en fait, ça veut dire qu'il y a le mec aux 3 médaillons, mais il y a encore d'autres personnes. Ouah, le bruit qu'elle fait, les gars. Alors là. Non, mais je suis mort. Faut que je rentre de l'autre côté en fait. Oh, let's go, les gars. Let's go, top 4. Mais il y a une autre voiture. Oh, les ailes. Oh, les ailes. Oh, ça peut être vraiment bien. Ok. Ça en plus. Qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que j'enlève? Le kit. J'ai enlevé le kit. Top 3 les gars, top 3! Allez les gars, on peut le faire! On peut le faire. Faites qu'il ne me voit pas, faites qu'il ne me voit pas. Faites que aucun des deux ne me voit. Oh non les gars, je pense qu'il m'a vu. Je pense que 100% il m'a vu là. Je coupe le moteur. Ok les gars. Je suis mort. Je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Non les gars, je savais, c'était trop dur. C'était trop dur ce défi. Oh non, c'était trop dur. En fait, je sais pas, j'ai paniqué.
En fait, j'ai paniqué, je suis sortie de la voiture, mais je pense que si je lui avais foncé sur en voiture, je lui aurais mis des dégâts et tout, enfin d'office. Ah, dommage, j'ai paniqué, j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu faire autrement, mais donc voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Malheureusement, ce premier défi Topin sur ma chaîne, c'est un échec, mais en soi, top 2, c'est très proche du but. C'était honnêtement pas le défi top 1 le plus facile pour faire top 1, mais après c'est vrai que pour aller haut dans le top, ben genre top 2, ça allait. Donc voilà, ben j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me proposer d'autres défis top 1. Et moi je vous dis, ciao!